Voilà, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour et bienvenue déjà. L'émission a bino kitoko bolinga les réveils. Ndeka bo mona toza la morgue à Kasangulu. Toi bon on a levé du corps ya prophète Seda o atika kibiso. Ndeka bo mona to levé corps. Toi que na moi pas iwa pi bako exposé. Merci mingi. Na bino nyo souza branché, connecté sur le Collet TV. Merci. L'équipe Mombalo Collet TV Europe, merci. Nabatutu Balingarangaï, Nalobi. Vous allez brancher, connecter, vous allez deux sites. Potos de la Bino Marambakitoko. Bibé Lobito, les Lana Baro Bazolela. Toyeko, les Lana famille biologique, il y a prophète Seda. Prophète Oboe Basara, miracle, à Kotara Namaboulou.
Atika Kibiso, voilà, tu as levé du corps, tu as levé la famille à prophète Seda, rien à dire, voilà.
voilà, fidèle téléspectateur de l'Ecole TV, Bomoni, le lingling touti na kor ya prophète C d'Abana na morgue ya Kasangulu, toleki au revoir ba Congo, tokomi siko na Kinshasa, na prince Oba Bengi Landu. Et pas wapi corps est exposé dans salle polyvalente de bozomona wana bongo to remarqué présence il y a mon corps nana ni mon roi basala nzambe évangéliste Paul Adam oh boye ba pesa ba témoignage a dénoncé monde de ténèbres parmi ba marambalo ba aloba pe kombo ya prophète oyo oh atiki biso to moni évangéliste Paul Adam zala biso awa aye ko lela na ba o bazo lela ndeka bibele elobi toujours pesa mbote toyoka epe aloba parce que prophète Seda azaki pe parmi bana oyo évangéliste Paul Ada encadre voilà évangéliste bonjour mes condoléances oh, bonjour Yanasi, merci beaucoup et je salue tout le monde que Dieu bénisse bon je crois tout ça n'est loco à ming t'ont expliqué t'es parce que les circonstances sont sangi subiso les ADC à prophète Seda que vous connaissez très bien na lobela il y a plusieurs reprises dans l'émission na sala na yo d'ailleurs na ba anele ki asaki parmi bana onga na encadre qui quand j'étais encore de l'autre côté et bizarrement il avait choisi son chemin de continuer et puis vous savez notre Dieu c'est un Dieu à zarandamba ordre ouais donc ça un peu ça et jusqu'à aujourd'hui qu'on perdrait il était d'abord en prison non voilà voilà ton quota pour battre belle bakamo inde bamuno bamsu ebige évangéliste a koufa ba assassiné yem sabiso koufa te ba assassiné toi non na bon monde non non ce qui est vrai j'étais kidnappé j'étais piqué ba piquir ya poison et ben jusqu'à présent je vis par la grâce de Dieu, je suis comme David. David disait, moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et voilà pourquoi moi, je ne mourrai pas. Voilà. Tant que ma mission n'est pas encore finie, je ne mourrai pas. Je resterai chrétien, voilà. Voilà, Bethlehem Toskoli, Solo Eliwa, prophète Seda. Prophète Seda, Belaki, prophète Seda. Et là, on y est comme Meleti, toi, elle est là. En fait, moi, j'ai été surpris par un appel. La personne qui m'avait appelé, c'était le prophète Giscard. Un ami, on travaillait, on collaborait avec lui. C'est lui qui m'avait appris que le prophète Seda est décédé. Mais après sortie naïe, je l'avais appelé, Tomane Kosola. Et il m'a même dit que Ake Kasangulu, après Kasangulu, il va rentrer. Voilà, nouvelle Tozu Lelo Yango et ADC naïe. Voilà, c'est ça. Banin pona yango na lolenga liwa o ya kufeli na basa nzambe bande ko ba fidèle o ba Hollande et lobasuka na lobake Jésus revient bientôt repentons-nous ceux qui toyebi que tous autres demeurer toujours na banzela mususi ya malamu mingite c'est le temps de donner notre vie complètement à Jésus liwa na ye batuba ka moite pourquoi Paul Adam ça y est et ça enseignement ponanga ça m'a appris quelque chose et ça va encore enseigner d'autres personnes qui sont restées au bazan on a voté c'est le temps liwa ya ndeko na biso Seda ponanga et ça enseignement munene pour dire que Jésus revient bientôt c'est un enseignement ngo lingo mema biso na nzela ni parce que yo so bongo la motema ye akufi bato ebite soki atika lilo bato ayambaki Yesu na ndenga solo mais est-ce que nini comment tant le bien enseignement leçon ni nous tirer na liwa na en fait moi je crois que moment oyo moi be monsieur sana no to ndi mapinza na mpenza te mais je crois qu'on va tourner une émission juste pour ça on va parler du début jusqu'à la fin voilà merci beaucoup le babo kabon pour toka le babo kabon isaque tout s'est préparé il est temps ya kolaksa bana nzambe nzela kolanda et j'ai beaucoup plus parlé aux hommes de Dieu et si vous êtes là vous êtes en train de me suivre il est temps de donner réellement votre vie à Jésus le salut est individuel ne pensez pas que ton onction peuvent te sauver un jour ne pensez pas que faire tomber les gens cela va te sauver et ce qui va te sauver c'est la conversion sincère bien aimé la Bible dit que si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité c'est le temps de donner notre vie entièrement à Jésus
que Dieu bénisse abondamment. Merci. Voilà, merci beaucoup évangéliste. Merci à ma fidèle téléspectateur, ma fidèle internaute de Yalokole TV. Bozake belé bolandi bo moni ndenge tozui kor na kasangulu tito komi na ngwa. J'espère que tu kutani déjà lobby jour et enterrement. Et j'ai dit merci à l'équipe technique Yalokole TV. Merci à Janice Kiakwama, il était derrière la caméra. Merci na papa et maman Nzambi, na maman Motema et maman Marie Manzambi. Merci na web de web Clément Kipoi Motema, ya maman Betty Kipoi. Merci également na la grande dame Dorcas Motema ya papa Boulouzo en Belgique. Un très grand merci à mon partenaire maman Chantal Massamba, maman na Adeline na France. Et merci aussi na prophète Zing. Hola hola Moussa Nzamba solo tolobi, on est ensemble, il y a pas modifié toptique à la brancher connecté sur le collet TV Brozala. Jamais déçu dans les labino et trop. Bye. Amen. 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 Amen.